Good job. President, please be seated. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And the floor is given to Judge Lavergne to resume his questioning. You may proceed. Pour poursuivre avec son questionnement. Mais le juge Lavergne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé avant la suspension de l'audience de l'exécution de militaires du régime de Lon-Nol. Vous avez notamment parlé de l'exécution d'un colonel. Et vous avez dit qu'il était marié et que sa femme était française. Est-ce que ce militaire a été exécuté et est-ce qu'aussi les membres de sa famille ont été exécutés? So was this military officer executed along with his family, with his wife? The wife and children were also executed. Son épouse et ses enfants ont également été exécutés. Est-ce que vous avez entendu des consignes particulières concernant les exécutions de militaires regarding du régime the de Lon-Nol execution of Lon-Nol soldiers back then? People were killed. Réponse. People killed one another at the battlefields. That was what happening during the war time. It is usual that people kill one another at war time. C'est ce qui se passait pendant la guerre. Il était donc courant que les gens s'entretuent. Mais là, monsieur, ce dont vous me faites état, but what you're describing ça s'est passé avant ou après le 17 avril? Did this happen before avant or after the 17th of April? Before or after guerre. The end of the war? After the réponse. War of 17 April 1975, a few après days guerre, after the liberation of Phnom Penh, quelques jours après la libération fighting de Phnom Penh, still happened in Phnom Penh, even il one month later. Des combats à Phnom Penh. And même some quelques mois après. Former soldiers remaining inside buildings at the certains time in Phnom Penh were taken away and Lon-Nol killed. If we dans les bâtiments à Phnom Penh had not killed those people, they would have killed us back. Si nous ne les avions pas exécutés à l'époque, ils auraient pris leur revanche et nous auraient exécutés. Quand vous avez entendu ou vu les cadavres de ces soldats, de ce colonel exécuté, où étiez-vous positionné? Where Est-ce were que you vous étiez posted? À Takmao? Were you in Takmao? Est-ce que vous étiez à la PJ? Were you at the PJ prison? Where were you when this happened? I was not at PJ or PZ prison. À I PJ, was working at Takmao. PJ, je travaillais à Takmao. Et quand vous étiez à Takmao, est-ce que vous avez entendu parler, did éventuellement, you hear qui vous en a parlé, d'exécutions about executions de militaires of, de Lon-Nol soldiers when you were in Takmao? Answer. Réponse. Not hearing, I witnessed the je actual. Je n'ai pas entendu parler. J'ai assisté. Killings. J'ai été témoin Since des I was exécutions. Asked to bring all those people onto the vehicles, and Car I was also demandé asked de charger to toutes stand ces personnes guard. À bord des véhicules, également de monter la garde. Je vais répéter une question que je vous ai déjà posée. Let mais me repeat a question est-ce que vous I already pouvez nous dire si ces exécutions étaient nombreuses? 10, 20, combien de personnes? How many people, globally speaking, were executed? Le nombre de personnes est 50 personnes.
Not more than people. Not more than 50 people. Pas plus de 50 personnes, dit le témoin. Je vais passer à une dernière série now de questions. Now I'm going to courte. Move on to a last series quand of questions which will be very short. Interrogateur. When you were working as an interrogator at S21, est-ce que vous avez entendu mentionner le nom de certains hauts dirigeants the names dans of les certain aveux des prisonniers senior leaders in the confessions of some of the prisoners? In prisoners' confessions. Réponse. The prisoners implicated les prisonniers Hu Nam and Hu Yun, and Hu those Nam, below the two Hu individuals, Yun, and no other names were implicated in the confessions. Aucune autre personne n'était mise en cause dans les aveux des prisonniers. Bien, je vous remercie, Monsieur le témoin. Thank you very much, Mr. Witness. I have no further questions to put to you. Bah, President, thank you. The floor is now le given président. To the defense teams. Merci. La parole for est passée the accused. À la défense. Starting first from Nunchia defense en commençant team. Par you de may défense proceed. De Nunchia. Vous avez la parole. thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Before I begin, la défense. Two preliminary remarks. Deux remarques préliminaires avant de commencer, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Je présume que nous avons jusqu'à lundi matin à 10h40 pour notre interrogatoire, pour que nous puissions avoir un temps égal à celui du procureur. La deuxième remarque, A heads up to the chamber and to the parties. As you know, we filed. On s'adresse à la chambre et aux parties. A motion. Comme vous le savez, nous avons déposé une requête en vertu de l'article 92, règle 92, numéro E3-99. It is a motion called Nunchia's Rule 92 motion to use certain S21 statements. Visant à utiliser certaines déclarations in it de we, S21 formulées en vertu de la règle 92. Nous faisons valoir dans cette requête que we conclude nous concluons de la déposition de Duch when he was, interrogated que Koytun by Duch lorsqu'il a été personnellement interrogé par Duch, n'avait pas été soumis à des actes de torture ou de mauvais traitements. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que ces déclarations n'ont pas été obtenues sous la torture. Je pense que le procureur a jusqu'à lundi pour répondre à cette requête. Might already be a document that we will be confronting the witness with already today. Mais nous comptons déjà utiliser ce document aujourd'hui dans le cadre de l'interrogatoire du témoin. Voilà les deux observations préliminaires que je voulais formuler à l'avance. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Si je m'étais levé, c'est parce que je ne pense pas qu'un débat sur it is because I don't believe that a discussion on the content of confessions should take place before a witness, is questioned nous or examined. De pouvoir, répondre we aux différentes requêtes, éventuellement en début d'après-midi, mais will pas maintenant. Answer the different requests concernant at the beginning le of the afternoon, not right now. Now, regarding time, I believe the defense is in error. Pour deux raisons. It should not be given time until 10:40 on Monday for two reasons. First of all, because we started around 9:30 yesterday morning, de ce témoin, and the exact so 30 minutes après le début de after the beginning of the hearing. D'autres débats because of et other deuxièmement discussions. Parce que le juge Laverne a and posé second, des questions à Judge 10h ce matin Laverne started putting et questions to the witness pas, as of 10 o'clock this morning de, du parquet and since Judge Laverne is not part of the prosecution de dire
it would not be fair to say that we used up our time until 10:40 today. So I think that we should retract the time taken by Judge Lavergne, as well as the time lost yesterday morning, which means that the defense should have until 9:30 Monday morning, possibly. I think this should be fairer than trying to finish today. Thank you. If I may respond, Mr. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. A short observation. Indiquer que les parties civiles entendent to let you know that the civil parties intend to respond requête to de l'équipe de Nunchia sur le fondement de la defense, règle 92. Request on the foundation of Rule 92. À l'utilisation des trois confessions qui sont mentionnées dans la requête. Notre réponse est prête, elle est en train d'être traduite. Elle sera donc soumise à la Chambre dans les délais, c'est-à-dire avant lundi. Submitted to the chambers within the delay, that is to say before Monday. So please do not allow the Nunchia team to use these confessions que les parties n'ont pas déposé de manière officielle leur réponse, et en toute cause, je peux d'ores et déjà annoncer à la Chambre que, du côté des parties civiles, nous nous opposons à l'utilisation de ces trois confessions, et nous considérons que l'équipe de Nunchia n'a pas rapporté la preuve que ces confessions ne comportaient pas le risque qu'elles aient été obtenues sous la torture do not contain the risk that they were obtained under torture at S21. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Simplement sur la question du temps. I simply like to respond regarding the issue of time. Il me semble que jusqu'à présent, nous avons toujours fonctionné sur la base d'un temps effectivement égal entre les procureurs et les parties civiles et la défense. Étant précisé que lorsque du côté de la défense de Kesampan qui intervient en dernier, nous n'avions pas de question, nous en rapportions, nous le disions, nous ne faisons pas de demande de questions complémentaires. En l'occurrence, aujourd'hui, je peux vous indiquer que du côté de la défense de Kesampan, il y aura des questions pour ce témoin. Questions et que for dans ces conditions, le calcul tout à fait approximatif under de l'accusation ne nous convient absolument pas, et nous pensons que nous devons avoir le temps qui était prévu pour les équipes de défense, à savoir une journée, à savoir quatre sessions, à minima. Étant précisé que, cela ressort des transcripts d'hier, il y avait une demande d'un temps supplémentaire there was a request for extra en dehors time. De la récupération du temps outside par l'accusation of the fact of the time that was retrieved yesterday by the prosecution. So the time that was initially scheduled for the defense should be fully used by the defense. So 9:30 really doesn't tally with that. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. My apologies, Mr. President. Indeed. Enough. Intervention. The chamber decides. Monsieur le Président. On what has been made, as long as the chamber has not issued orally on the requests submitted by party. Tant que la chambre ne s'est pas prononcée oralement sur and the chamber allows a party to submit oral submission, then at the time other parties may have the right to respond. And after hearing submission and responses, the chamber will issue a decision or ruling on the request submitted by any parties. Alors la chambre pourra se prononcer. And number two, in relation to documents, and if parties does not address the chamber in accordance with the procedures and proceeding, the chamber will not decide on and consider on those submissions. The chamber is concerned
des observations d'une telle partie. Documents to be used by the parties, la Chambre est préoccupée par les documents documents or evidence. The chamber is cautious and is mindful of those documents, although those documents are newly shown to the chamber. La chambre se demande s'il s'agit de nouveaux documents. Parties are reminded to be mindful as well, and so far there are objections by parties about the torture tainted evidence. But please make sure that what that the time that you are using de ne pas produire des documents qui présenteraient un risque qu'ils aient été obtenus sous la torture. And is appropriate. And let me clarify that the chamber usually balance the time that allotted to parties. Ensuite, and for parties who put questions which are irrelevant and which are not to ascertain the truth, then the chamber can cut off the floor. Ici, and I have informed, I told the for civil party already that you had 30 minutes to put the question in the first session, and I adhered to the time allotted to you, and I am strict on the time, and even to and the second session we started late and I had that in mind already. La chambre garde à l'esprit que la deuxième séance a également commencé avec un retard. Sur ce, la chambre va passer la parole à Maître Coupeux. Sorry, counsel, just to be clear for the record, in case it wasn't as clear in English as probably clear, peut-être que ce n'était pas suffisamment clair en anglais, comme en Khmer, Maître Coupeux n'utilisait pas le document sans que les parties aient répondu, ce qui sera fait lundi. Et la Chambre se prononcera après avoir entendu toutes les observations des parties. Good morning, Mr. Witness. Jusque-là, il faudrait sursoir à utiliser ou exploiter ce document. La défense. Bien compris, Madame la juge Fens. By following up some questions, right after the break, Monsieur le témoin, je vais commencer par des questions de suivi. Execution of former Lonel, notamment les questions officers. Qui ont été posées avant la pause sur l'exécution des anciens fonctionnaires du régime de Lonel. Je vous ai entendu mentionner, citer le nom de ce colonel, something like in Khmer, Ketara. Ketara en Khmer. Can you say that name again for me? Est-ce que vous pouvez me redonner ce nom? Answer. I heard the people call the name Ketara, and that name is j'ai correct. J'ai entendu les gens donner le nom de Ketara. C'est ce nom que j'ai entendu. Do you know who the former Lono commander was of Savez-vous Takmao? Qui était l'ancien commandant district? Du district de Takmao sous le régime de Lonol. I don't know. Réponse. Ketara was arrested at Ketara Bechen and then he was Bechen. Sent to the first instant court at Takmao et since I devant o le tribunal de première instance standing à Takmao. Guard at that location. Et j'étais chargé de monter la garde à cet endroit. Subject, la défense, Monsieur le Président, étant donné que like to show, nous n'avons pas prévu d'aborder well ce point, le document que je comptais utiliser pour présenter au témoin n'est pas dans l'interface. Il s'agit du document E3, barre 832, document bien connu des parties. Names, c'est une liste de 17 noms. 17 names of traitors de traîtres in a special zone, dans la zone spéciale. The document is signed or written by c'est un document PIN, rédigé et Division signé 703 par PIN, commander, commandant de la Division 703. On that document, English ERN 00068, Khmer 00068,
920. I will provide the French, je donnerai le RN en Khmer. There is, un peu plus tard. A mention of a au commander numéro 2, of Takmao military on parle district. De, but anyway, du commandant du district de Takmao. To show the witness this document and ask him j'aimerais whether he soumettre recognizes ce document au témoin pour lui demander s'il reconnaît l'un quelconque des noms qui y figurent. President, please proceed. Le président, vous y êtes autorisé. Mr. Witness, particularly la défense, number two, monsieur as le I témoin, said, regardez le numéro 2, Kampong, lieutenant colonel, lieutenant former colonel, commander of Takmao military sub-district, de la commune militaire de Takmao. Every last member of his family is a traitor, and then this one's chaque nature membre is de sa famille est un traître. Have et cette personne est extrêmement cruelle. Kampong? Avez-vous jamais entendu parler d'un certain Kampong? I have never heard all réponse. These names. Je n'ai jamais entendu l'un quelconque de ces noms. Kampong. Khmer. President intervenes. Kampong. Le président. Kampong. Have you ever heard of that name? Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Kampong? Please answer, Mr. Witness. Witness, I have never heard of that name, Mr. President. Monsieur le Président, je n'ai jamais entendu ce nom. Just to be sure as well, you didn't yourself take part in the execution? Pour être sûr, avez-vous jamais personnellement participé à des exécutions? No. Réponse, non. Do you know who did? Question, savez-vous qui aurait pratiqué de telles exécutions? Savez-vous qui aurait perpétré cette exécution? I know. Un. Réponse, je connais the commander Un. Of a battalion. Commandant d'un bataillon. Battalion 138. Le bataillon 138. And Division of 703 from the special zone that did the task. Et les membres de la division 703 de la zone spéciale ont participé à cette exécution. And who ordered Un to do this? Question. Qui a donné l'ordre à Un de le faire? It's beyond my knowledge. Who else réponse, ordered Un? J'ignore qui avait ordonné à Un de le faire. Do you know if Un question. Did this out of reasons of revenge? Savez-vous si Un l'a fait par revanche ou par vengeance? But I do not know how it happened. Réponse. There was je ne sais pas comment cela s'est passé. To execute, the prisoner of war.
l'on a ordonné à Hoon d'exécuter le prisonnier de guerre. Mr. Witness, let me now move on to question, my je vais y revenir. Questions. Monsieur le témoin, je vais passer maintenant aux questions essentielles. A member of Division 703, or Division 12, vous étiez vous-même membre de la division 703 ou Division 12, comme cela a été appelé. Comme cela a été appelé en 1975, vous étiez membre du bataillon 143, est-ce exact? I was not a member of the battalion. Je n'étais qu'un jeune. Je n'étais pas membre du bataillon. I was a combatant in the Division 703. J'étais combattant. Regiment 38 of the 703. Artillery. Unit. I do not recall the number of battalion that I belong to. Du numéro du bataillon auquel j'appartenais. In a book written about dans Division 703, ouvrage rédigé par la Division 703, document E3/117, EREN en anglais, 00081 30. I don't have the Khmer. Je n'ai pas le RN en Khmer. Monsieur le Président, je vais le donner un peu plus tard. À cette page, il est dit que vous étiez un ancien combattant du bataillon 143 de la Division 12. So that is incorrect? Est-ce exact ou pas? Division 703. Réponse. La division 703. I cannot recall the number c'est exact. Of battalion. Je ne me souviens pas du numéro de code du bataillon. But again, were you a, question. A veteran member of the 143rd battalion of Division 12? Un ancien yes combattant du bataillon 143 de la division 12, oui ou non? Je vous repose la question. The same answer from me. I cannot recall réponse. Which number of battalion I belonged to, but I can say I can recall that I was a part of Division 703. Mais je me souviens que je faisais partie de la Division 703. Question. Avez-vous jamais participé activement au combat? Hier, vous avez répondu que c'était le cas. Avez-vous participé activement au combat contre les soldats de Lonnol lors de la libération de Phnom Penh en 1975? I was engaged in the active combat from 1973-74 up to the time when I entered Phnom Penh. Jusqu'au moment où je suis entré à Phnom Penh. Question. Lors de ces combats menés activement, aviez-vous jamais vu certains membres de votre bataillon être abattus ou blessés? But yes, they were réponse oui. Wounded and they died one after another. Ils étaient blessés et ont succombé les uns après les autres. Were wounded but didn't die? Question. Do you know any of those? Qu'en est-il de ceux qui étaient blessés mais sont restés en vie? En connaissiez-vous? For the combatants who réponse. Were wounded and survived. Blessés, actually, when they were wounded, they were sent to the hospital at the rear, and then after their recovery, they were sent back to the battlefield. Après guérison, ils étaient renvoyés sur le champ de bataille. Question. Savez-vous si ces camarades blessés? Given by other comrades recevait du sang in that hospital in the rear. Du sang provenant d'autres camarades dans ce bâtiment situé à l'arrière.
I am not sure on this particular issue. I have never heard of the blood infusion. De cette question. However, surgery did happen. J'ai entendu parler on the wounded soldiers, but not a major or significant operation was conducted. Des chirurgicales qui étaient pratiquées sur certains de ces blessés, mais pas des opérations importantes. Est-ce que certains des membres de votre bataillon avaient reçu l'ordre de donner du sang à certains membres d'autres bataillons? No, such thing did not happen. Réponse: non, jamais. Have you ever heard of a question? Avez-vous jamais entendu parler d'un combattant de la 12e division appelé Meng Hak? Réponse: I belonged to division 12 à la division before 12. I was part of division 703. However, I have never heard of Meng Hak. Puis à la division 703, mais je n'ai jamais entendu parler de Meng Hak. Have you ever heard whether Duyk avez-vous entendu dire si Duyk lui-même avait activement participé à des combats juste après le mois d'avril 75 à Phnom Penh? Je n'ai jamais entendu Duyk parler des combats sur le champ de bataille. Il a seulement parlé in the ministries and administrative tasks. De he never made mention of active combat, combats at the battlefields. Question. You said, I believe, that you yourself were never Je pense involved que in vous avez dit people, ne jamais avoir participé à l'exécution de qui que ce soit. Est-ce que votre bataillon ou vous-même avez-vous participé à l'exécution de citoyens vietnamiens au Cambodge, à savoir des personnes de souche vietnamienne? As for the Vietnamese, réponse. My battalion never encountered them. Mon bataillon we never killed any ne s'est Vietnamese jamais retrouvé face a à des Vietnamiens. Nous n'avons jamais tué de Vietnamiens, que ce soit des civils ou des soldats. Question. The cleansing ce matin, of Vietnamese vous avez parlé citizens, du fait que des citoyens vietnamiens avaient été balayés par les forces de Lon Nol avant 1975. Qu'entendez-vous par ce terme, balayer ou nettoyer? Réponse. Had a plan to cleanse en 1970, the people from Cambodian Lon Nol territory, avait le programme d'éliminer les Vietnamiens du territoire cambodgien, de les balayer à l'île de Koh Kieu, en dessous de Neak Luen en particulier. Moi, j'y étais, j'ai vu des cadavres, j'ai vu des os. Used to be, j'ai aussi that vu also belongs to a Vietnamese. Des maisons qui avaient appartenu Vietnamese, à des Vietnamiens. Rather, Lon Nol soldiers actually went to the les soldats area, de Lon Nol sont allés sur place, ils ont détruit les maisons et en ont tué les occupants. Question. Savez-vous combien de gens ont été tués? Avez-vous vous-même assisté à des massacres de Vietnamiens? But
réponse. Je n'ai pas été témoin de meurtre, mais j'ai vu des ossements dans les maisons qui avaient été détruites lorsque j'ai combattu là-bas à Korkongtin en aval de Nerkleung. La défense. Passons à la période qui a précédé le moment où on vous a envoyé travailler comme gardien S21. À un moment ou à un autre, est-ce que vous avez cultivé du riz à Preysor? After the liberation of réponse. Phnom Penh, après la libération de Phnom Penh. And when the situation in Phnom Penh quieted down, quand there la situation no s'est fighting, stabilisée, autrement dit quand les combats ont pris fin, my unit was sent to mon unité a été envoyée travailler dans une rizière à Preysor, in front of Tomotei Pagoda, en face de la pagode Tomotei. Nous y séjournions la journée et le soir, nous allions dormir à Phnom Penh, et ce, chaque jour, pendant une période limitée. Question. Combien de temps avez-vous passé à Preysor? Au total, était-ce jusqu'à votre affectation à S21? I worked in a rice field at Preysor. Je travaillais à la rizière à Preysor. However, our sleeping quarter was at néanmoins, Kabal Tnol. Nous dormions à Kabal Tnol. And only later on, some of us c'est seulement par la suite que certains d'entre nous avons été recrutés au sein de l'unité militaire pour aller au lycée Sisovat. And there were many of us who were staying at the Sisovat school. Nombre d'entre nous logions au lycée Sisovat. On nous a dit que nous étions les forces de préparation chargées d'être déployées dans différentes ambassades du monde entier et on nous disait que certains d'entre nous seraient choisis pour devenir pilotes. À l'époque, personne n'a été envoyé travailler à S21. J'ai passé pas mal de temps là-bas à attendre jusqu'au moment où j'ai été désigné pour travailler à Tuolsleng. La défense. Would that be for about a year, maybe even longer? Êtes-vous resté à Preysor un an, voire davantage? I worked in a rice field at Preysor for one season. J'ai passé une saison à cultiver le riz à Preysor. And in fact, we did not even have, I said, the crop nous yet. Nous n'avions pas eu le temps de récolter le riz. Question. Avez-vous jamais vu d'anciens combattants se faire rééduquer ou forger à Preysor? Well, I worked in the rice field at Preysor. Réponse. Quand j'ai travaillé à la rizière à Preysor, il n'y avait pas de centre de détention ou de rééducation. And Tuolsleng prison was also not la yet established. Prison de Tuolsleng n'avait pas encore été créée. You know, question. Savez-vous à quel moment la prison ou le centre de rééducation a été établi à Preysor? À quel moment? Réponse. Quand je suis arrivé travailler à S21, j'ai ensuite entendu parler de S24. J'ai entendu dire que Hui et Srei étaient les chefs. Question. Qu'est-il advenu des camarades de la division 703 qui avaient commis des fautes et qui étaient considérés comme étant des espions s'étant livrés à des activités de trahison? Et ici, je parle
à la période antérieure au moment où vous êtes allé à S21. Qu'est-il donc arrivé à ces soldats de la division 703 qui avaient commis ces infractions? Before I came to work at Réponse. Avant que je n'aille travailler à S21, je n'ai rien constaté de particulier qui se serait passé concernant ces soldats de la division 703. À l'époque, S21 n'avait pas encore été créé. La défense, je comprends bien. Cela étant, ce matin, vous avez dit ceci, quiconque s'opposait au régime would most likely be killed. Yesterday you talked about enemies responding to a question from the prosecution. Risquer le plus probablement de se faire tuer. Hier vous avez parlé des ennemis quand vous avez été interrogé par l'accusation. Vous avez dit qu'un sort peu enviable les attendait. Autrement dit, quiconque s'opposait au régime, quiconque en était l'ennemi, je vous ai bien compris, d'après vous, se faisait tuer. Donc, à nouveau, je ne parle pas de S21, je parle de la période antérieure, au moment où vous êtes allé à S21. Qu'arrivait-il aux gens qui, d'après vous, s'opposaient au régime ou étaient des ennemis de ce dernier et du PCK? Before the existence of S21, réponse. Avant la mise en place de S21, il n'y a pas eu de telles exécutions. Many of these acts only took place beaucoup around de ces exécutions 1977 ont eu lieu en 77 ou 78. Since killings took place at the bases or at S21. Les exécutions ont eu lieu dans les bases ou S21. Avant cela, je acts. N'ai pas été témoin de ce type d'agissement. So is your testimony now that, la défense, à présent, êtes-vous en train de dire que c'est uniquement à compter de l'année 76 ou 77 people would be killed, que des gens ont été exécutés au motif qu'ils étaient considérés comme des ennemis? Êtes-vous en train de dire que cela ne s'est pas produit auparavant? But. Yes. Réponse, c'est exact. La défense, je vais vous présenter un document. Mr. Witness, there is a document that deals with, ce document battalion porte 96 sur le bataillon 96 de la division 703. It is a, document signed ce document by est signé him, de la main de Hin, presumably the battalion, supposément 96 commander. Le commandant du bataillon 96, j'ai une version khmer de ce document. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. Monsieur le Président, j'aimerais présenter ce document au témoin pour ensuite lui poser quelques questions. La juge Fence, quelle est la référence? La défense, E3-965 en anglais. 00-31-63-12-1-2 and following. Et page suivante, en Khmer, 000-688-40 and I believe I do not have the French. Et je ne pense pas avoir right now, pour l'instant les ERN en français, mais je vais vous les communiquer prochainement. Ce document fait quelques pages, j'aimerais le remettre au témoin. Yes, le Président, vous y êtes autorisé. French ERN, Mr. President, is 00-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 0
0, 3, 2, 4, 0 à 3, 6. Voilà le RN français. Mr. Witness, I will walk Monsieur you through le témoin, this, document. Nous allons parcourir ensemble ce document. A document which has in English celui-ci est intitulé en anglais Brief Biography, etc. Brève biographie de soldats libérés de la compagnie 44. On this document you see, dans ce document, names on voit apparaître of the released, le nom combatants. Des combattants relâchés. There are about 49 names environ on this document. 49 énumérés ici. What I would like you to do is have a look at a few je vous prie of those names de vous pencher sur quelques-uns and then de ask ces you, noms. Then I will ask you après whether this is je vous demanderai whether you recognize offenses si like this vous and whether reconnaissez les infractions commises et mentionnées ici. Having been arrested would be typically that these people would et je vous demanderai be released. Si en général ces gens étaient for instance, let's start relâchés. With number one. Commençons par le numéro 1. Maybe duty counsel can assist peut-être the witness. Que votre avocat pourra vous aider. Number one is an individual numéro 1, called, c'est un dénommé Tong Ngut. And it says reason held at the very last column. Raison de l'arrestation. Ren peut-on lire dans la dernière colonne, je lis, as being unintentionally Ren associated l'a with dénoncé the enemy. Comme étant involontairement associé à l'ennemi. Number one avez-vous individual? Pu voir cette Mr. mention witness? Le numéro 1. Monsieur le Président, merci. Tout d'abord, Mr. tout à l'heure, President, effectivement, mon calcul était you. Tout à fait faux et approximatif. Donc, the la défense est droit à une journée entière, c'est tout à fait normal. J'ai une remarque sur une objection sur ce document. Il est intitulé « Prisonnier libéré ». En réalité, nous pourrons faire parvenir sans doute une analyse de ce document, mais d'après nous, les gens qui ont été soi-disant libérés ici ont été envoyés à Presa par la suite. Et was sent to Presa subsequently. Voilà, je voulais simplement signaler cela pour que la Chambre sache déjà que nous n'avons pas la même vision ou interprétation des faits par rapport à ce document. Merci. Of the facts regarding that judgment. Maître Coppe, l'accusation est en train de plaider, ce n'est pas une objection. However, nous ne sommes pas d'accord. Puisqu'on en est à plaider, je renvoie la Chambre au document E3/778. Ça semble être une tentative du CDCAM de localiser les prisonniers qui ont été relâchés. Mais laissons cela de côté pour l'instant. On y reviendra un autre jour. Monsieur le témoin, comme je l'ai dit avant l'intervention de l'accusation, I refer you to, je vous ai renvoyé one, au numéro 1 de la liste. One, the first individual, Tong Ngut, Tong Ngut 23, years old. 23 ans. And in the last column, dans la dernière colonne, held, it says, celle Ren qui being, porte sur le motif Ren de l'arrestation, on peut lire ceci. Ren l'a dénoncé comme étant enemy. Involontairement associé à l'ennemi. Do you see that column? Est-ce que vous avez pu voir cette colonne? Réponse. Yes, I see oui, the name, je Rain. Vois bien et je vois ce nom de Ren. La défense, je ne vous demande pas si vous connaissez la personne car je suppose que non. But I'm asking you to give a reaction je vous demande to, de réagir the reason held, quant à la mention in your experience, des motifs de l'arrestation. D'après votre expérience, d'après vos souvenirs, reason, si quelqu'un était arrêté pour cette raison au sein de la division 703, est-ce qu'ensuite la personne était généralement relâchée? La juge Fentz posait une question plus ouverte. Qu'est-il arrivé aux personnes se trouvant dans cette situation, plutôt que de souffler la réponse? La défense, je ne souffle pas la réponse, ça provient du document. Mais je vais poser la question de façon plus ouverte.
Pouvez-vous réagir à la lecture de cette dernière colonne? But I am not familiar with réponse. This list of names. Je ne connais pas cette liste de noms. Although I was in the same division, même si j'ai appartenu à la même division, we were in different units. Nous faisions partie d'unités différentes. For that reason, I did not know the reason c'est pourquoi for the release. Je ne sais pas pour quelle raison ces personnes ont pu être relâchées. What I experienced and I je sais tell you about seulement ce que j'ai vécu. I did not know. Je ne peux pas parler de ce que j'ignore. Can la défense. You move to individual number passons 18, au numéro 18. 18. Number 18 on the list, Mr. Witness. It's a soldier, 21 years old, c'est un Iacoc. Soldat de 21 ans qui s'appelle Iacoc. The reason for his arrest is crashing into the vehicle of brother 703. Le véhicule du frère 703. Have you ever heard of a cadre jamais into entendu vehicle parler brother d'un cadre qui aurait percuté le véhicule du frère 703? Ba-ba-dang. No, I réponse. Did not know about that. Non. If you refer to brother 703, si it means the commander frère of division 703, ça veut and dire that que is c'est Tanat. Tanat, le chef but de la division I was 703. Not aware of this mais incident. Je n'ai pas eu connaissance d'un tel incident. Two down. La défense. Deux noms plus bas à présent. Being accused. His name une is personne Hinchi. Qui s'appelle Hinchi. He's a physician of a company. Accused by Heng médecin Eun, au sein d'une compagnie, who implicated, il a été accusé par Heng Eun, lequel l'a dénoncé au motif qu'il aurait empoisonné des cadres. Avez-vous jamais entendu parler d'un tel incident? Réponse. Number 19, that name is Hong Chen. Le numéro 19, c'est Hong Chen. And the last column said et à la dernière colonne, il est dit qu'il a eu une liaison avec une femme du nom de Sam Yang. Il est question de trois viols, mais je n'ai pas connaissance de cet incident. Maybe something la défense, went wrong, il y a peut-être un problème column, qui s'est produit, car dans ma colonne à moi, il est question d'un dénommé Hin Chi, accusé par Heng Eun, who implicated him in poisoning cadres. D'avoir empoisonné des cadres. Have you heard of that avez-vous incident? Entendu parler d'un tel incident? Réponse. Yes, number 21 is le 21, c'est Hin Chi. Effectivement, je ne connaissais pas cette personne, incident. Ni n'ai eu connaissance de cet incident. Finally, la défense. Et finalement, Mr. Witness, numbers, je vous renvoie 30, 31, au numéro 30, 31 et 32. A soldier, a child and a citizen. Un soldat, and the accusation un enfant was et un moving citoyen. As a l'accusation spy est la suivante, or activité being a d'espionnage, spy stirring up people. Espionner et do you see that column? 30, 31 inciter autrui. Est-ce que vous avez vu cette colonne? Réponse, yes, oui. I see these names. I did not know anything about these events. J'ignorais tout de tels événements. And actually the very last one I would like to show you, number et 45. Enfin, le numéro 45. A 29-year-old person called Sin In Ni. Un dénommé Sin In Ni, involved with husband and wife CIA agents. Ayant des relations avec un couple, have you ever heard of that name? Mari et femme, un couple d'agents de la CIA. Avez-vous jamais entendu ce nom?
No, that's why I'm warning. Are you referring to number 41? Est-ce le numéro 41? 45. Merci, Moui. I only have number 41. J'ai seulement le numéro 41. Le président. President, witness, please refer to the next page. C'est la page suivante. There is another page. Mr. Witness, la défense. Have you ever Monsieur heard, le témoin. Either 1975 itself or 76, en 75 or while you were ou 76, at S21, ou encore quand vous étiez à S21, avez-vous jamais entendu dire que des combattants ayant commis de telles fautes auraient été relâchés? If there were such incidents, then they would not be released. S'il y avait eu de tels incidents, ils n'auraient pas été relâchés. But the document says that the prisoners La défense. Were released. Mais d'après ce document, ces prisonniers ont été relâchés. I do not know Le the témoin. Source of this document. J'ignore la source de ce document. However, from my experience, Toutefois, d'après mon expérience, at S21, if people were brought in, je peux dire que si quelqu'un était amené à S21, be let out. Il if ne this pouvait happened, jamais être relâché. Si ceci s'est produit, S21. Ça a dû être ailleurs qu'à S21. And this document does not indicate Dans ce that, document, it is at S21. Il n'est pas indiqué que ces faits concernent S21. La défense, was, je n'ai jamais laissé entendre que ceci concerne S21. A policy, potentially, that combatants J'évoque were ici accused une éventuelle this, politique selon laquelle offenses, des combattants accusés de ces infractions étaient relâchés. If these incidents happen outside, it's si possible that they could be released. Ont eu lieu but à l'extérieur, il est possible que les gens aient été relâchés, mais il n'y a eu aucun President, cas de ce genre you, à S21. It is now le président, merci maître, le moment our, est venu break, and I d'observer that the deputy une pause. Je constate feet, que le substitut du coup-procureur s'est levé. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Juste pour signaler, Mr. President, après une rapide vérification, notamment le numéro 1 qui figure sur cette liste, Tom Gett, se trouve sur la liste OCIJ de S21 au numéro 13226 et sur la liste d'OCP E3 par 342 au numéro 10661. Comme étant entré à S21 le 22 avril 1977. Par ailleurs, des informations sur ce document et sur une analyse faite par le CDCAM à propos de ce document figurent au numéro E3 par 8778, notamment aux pages en anglais 00989320 jusque 21. Il est fait notamment état du fait qu'un certain nombre de ces personnes ont été réarrêtées et exécutées. La défense, peut-être qu'il y a un problème dans cette liste. Il s'agit de votre propre document expert. Quoi qu'il en soit, on y reviendra après la pause. Bah.
le président. It is now convenient for the, le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 13h30. Court officer, please, huissier d'audience, the witness, veuillez vous occuper du témoin en l'accompagnant dans la salle d'attente. Veuillez ensuite le ramener dans le prétoire accompagné de son avocat pour 13h30. Security personnel, agent de sécurité, veuillez conduire Kyo Sampan à la cellule du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 13h30. Suspension de l'audience.